Bonjour, très chers fidèles téléspectateurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste. De la Lola, Esika Bonzambe, Ekitara na Loye, Mona Molo, Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Antoya, Kolobake, Nzamba, Boto, Kwaye. Les soucis, finalement, ça se service. Un grand merci à vous. Là, je vois notre papa, pasteur, Fezami, si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na filo, Mokoya, Mote, ma vivance, de Homo, depuis Londres, Pena, Maman Gisèle. Que le mot ma papa Emmanuel et na Boston. Bonne année, l'eau des offres à venir. Mais quand vous avez mon vous allez dans le bureau, il y a un maître Dolly Monza qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien, le célèbre maître. Bonjour, maître Dolly. Bonjour, Nayo Alvin Mokoya. Bonjour, la bande de connu, surtout dans la révision, la voix céleste. Mot de la vie, surtout, en tout cas, l'eau des offres. Merci Lolezo. Maître Dolika, la bande de la comédie, mais Maître Dolika Kenda Wapi, silence total. Cela a été dû à quoi Maître Dolika? Non, mais en fait, Tozali, on avait pris quand même un petit mois d'amour et belé à réflexion parce que bientôt là, Tozali, tu as pour relancer l'activité politique Nabiso sur terrain. Et c'est là qu'il faut moi qu'on travaille d'abord dans la bonne bande de Koumsou, c'est belé. La raison pour laquelle j'avais mis quand même moi frère Mouquet dans l'apparition Bélé. J'informe à tout le monde que notre structure et les amis des maîtres d'Oli Mwanza est commis déjà mise en place. Alors on a Founa, spécialement dans Matongé, donc vers Saint-Louis. Les amis de maîtres d'Oli Mwanza, on a fait quelque chose pour donner l'opportunité na bande de nous surtout basé na passe bande de nous soit dans la difficulté pour une assistance juridique gratuite donc moto nous surtout basé na problème tout ça aux alliés na makambo italie justice na bokana biso donc nous avons accompagné bango donc il y a des avocats oyo qui ont travaillé na bango pour na pouvoir pour assister bande de nous surtout pour basé na difficulté na ebele mingi de bande de ko bakanga basé na niveau prison. Oui, le dossier est un peu moins compliqué. Moi, je suis Rolandé Lazate. Tout ça qui m'apporte, c'est tellement ouvert pour nous pour y'a ma famille pour bande de moi, on a besoin d'une assistance juridique afin que tu accompagnes Bango et puis toi, mais tu peux assister Bango juridiquement. On a bandé au nom de Bazo Lanabiso, c'est que vous avez un problème. Oh, l'état compliqué, oh, Baboto la parcelle, oh, Baboto la bien, on a mon congé, on a général, on a magistrat, on a pas de solution. Oui, donc, il y a une structure d'Abiso, les amis de maître de l'Imanza, ailleurs, après, tu m'as enregistré. Donc, l'assistance gratuite donc pour permettre na bango bazala valablement assister na ba dossier tel que va se présenter. En tout cas, merci beaucoup maître de Dumont. Et mais dans bande bazo ba kita de trois premiers continents bogaté jusqu'à présent bazo vivre en haute. Bon, en fait les gens sont libres de le dire aussi na bango libre au bango mais bon pour nous puisque tous en Katia il y a l'appareil judiciaire. Nous rassurons aux Congolais que l'État de droit est à s'implanter dans le Congo vraiment via l'avènement du président Félix Antoine. C'est un système. Le système n'est pas un système. Il faut déraciner le système. Donc, ça doit prendre un peu le temps. Donc, les gens doivent souffrir encore. Mais je te rassure et je te confirme, l'état de droit au Congo, ce n'est plus un slogan. Donc, ils ont le recours comme pour vendre format et beau tabarassé. Est-ce que vous avez rappelé sous ma loubaya Jean-Marc Kaboul, où il y a que votre joie est de courte durée par rapport à Bamakamo au sein de la partie IDPS. Boyo Kanyezate, parlement de Boye Kangama, Bino Nabino Balobake, l'ICCMO Balobake, les loups ne se mangent pas entre eux, mais entre Bino et IDPS, rien ne marche, il y a un ça ne va pas. Cela peut être dit à quoi? Bon, en fait, comme j'ai toujours dit dans ce pays, tous nous sommes nés UDPS. À partir du moment où nous sommes nés UDPS, nous sommes talibiens, nous sommes tirés à naissance dans la UDPS parce que nous avons été formés par l'UDPS. Parce que sur Rotalin, à l'époque du président Maréchal, il n'y avait qu'un seul parti qui rivalisait le MPR. Donc nous sommes nés l'UDPS. C'est vrai, nous sommes aux ambitions politiques, mais oui, quand ma partie politique comme Bélé, mais. Tous les Congolais sont dans l'UDPS. Quand nous constatons que dans l'UDPS,
C'est vrai, ils ont ça à moi pas signé parce que c'est l'IDP, c'est un patrimoine. Le patrimoine pour les Congolais, nous sommes tous à confiance pour dire que non, voilà la lutte. Parce qu'aujourd'hui, surtout à Libye, l'alternance au-dessus de l'eau, c'est une lutte de 32 ans, l'IDP, c'est l'alternance. Donc, l'IDP pour nous, ils ont imagé il y a alternance. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter que le parti sombrait. En tout cas, bon, ça fait mal au cœur et ils ont vraiment pour déranger Bissou Makassi Mingi. Espérons que les choses reconnaissent Madame Mingi. C'est ça vraiment l'idée à Bakon, il y a Congolais, nous surtout, et puis il y a Bakonga, Bakombatan, nous surtout. Pour ça, vous mettez à que le parti peut prendre quand même, moi, relève à Kitoko, le parti est découlé sous ma case et surtout, les gens ont tendance à oublier que l'UDP, c'est un parti au pouvoir. Donc, aussi longtemps que l'UDP est en pouvoir, il faut que tous sentir que, en tout cas, valablement, nous méritons ce pouvoir. Pour ce monde, parce qu'aujourd'hui, sur le Talibien, le président. C'est vrai, il est le président de tous les Congolais, mais il a quand même une histoire. Son histoire est qu'il fut le président de l'UDPS. Donc, nous devons être fiers d'avoir le Bakenon, voilà, le président de la République a bimé dans l'UDPS. Donc, c'est un peu ça. Loko, toko, loba. Ming, en tout cas, notre souci vraiment majeur en Abisso, est que l'UDPS est. Et revenir encore dans ma image, dans mon tribun en Okala, l'UDP s'est parti, il y a Sphinx délimité, donc c'est un peu ça. Au trouver arrestation, il y a Gilles Mounier Ndengini, l'un, il y a le Parlement debout, président, OP qui a soutenu, a soutenu toujours, pouvoir, il y a Fati, disons-le. Bon, en fait, vous savez, il a été interpellé donc par la police nationale congolaise. Donc la police m'a attaqué. Bon, il y a des faits au bazar pour reprocher Naïe au de Koji la Athéna qui acte xénophobie mais tout ça. Oui, bon voilà. Le ministre déjà avait déjà parlé, il s'était exprimé parce que nous devons aussi éviter au côté d'un âgé, il y a envahisseur, il y a beaucoup d'habits au Congo. Ils veulent vendre l'image aux Congolais pour ça là, pour dire que les Congolais vont aller pratiquer un acte xénophobiste et pas il y a sujet rwandais. Mm-hmm. Tu vois un peu, donc ça peut. Diplomatiquement, ça peut avoir de retomber à ma bémine pour le cannabis. Le Congo, c'est un pays démocratique. Le Congo accueille tout le monde. Les Congolais, nous sommes hospitaliers. Donc, nous les connaissons surtout au côté dans le Congo. La bavoie n'est légale. Il est le bienvenu. Aux hommes, on a. Il faut, nous devons éviter. C'est aussi un message que je donne à mes frères qui me suivent. Que voilà, nous devons éviter l'acte xénophobisme. Donc, ils ont vraiment malam ou la xénophobie n'est pas bon, n'est pas bonne parce que même à Kambo, Kanaba, isolement, moko diplomatique, tout ça, ainsi de suite. Nous sommes dans une planète où nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc il y a le rôle à l'obok, donc Moussa Pignon surtout, et je joue Carole Nango. Neko Gilles, il a été interpellé par la police. C'est vrai, la police est même interpellée. On a beaucoup déféré, pas maquillé des doigts, au niveau et à parquet. C'est de là maintenant. Que Harry Goyeba, de quoi il est reproché. Je suis sûr qu'il y a un avocat où il va pour. Je m'excuse, il va pour l'andaye. Il va m'écouter pour défendre. Parce que toute personne accusée est présumée innocente, mm-hmm. jusqu'à ce que sa culpabilité soit reconnue devant le juge. Donc, celle de la juge n'est pas pour établir la culpabilité. Nous sommes là qu'en train d'analyser. Mm-hmm. Donc, on a tous reconnu, on a tandoïqué. Le Kojil à Salaki, il a été le sujet à une arrestation. Donc, on ne peut que demander à ce que pour moi, dossier n'est pas dans le monde, Malam Mingi, c'est aussi un monsieur qui a servi ce pays, il a servi cette nation. Moi, au bout, ma pays, au Salaki, oui, mais à ta papa, ce monde a bongi.
il faut quand même, même la correction à moi, et ça, m'a d'une manière disproportionnelle, quand même. Nous avons donc, et ça, la remarque que moi, on a sali moi, erreur à ma casse, mais au bêtier, ma casse, ming. Donc, c'est un peu, moi, passe dans mon thème. Nous sommes de guerre avec lui. C'est un combattant, vraiment un combattant, donc il y a des gars. Nous t'envoie à moi, ça, donc nous ne pouvons pas pour rejeter moi, ça, nous faisons tous confiance à notre justice et qu'elle défaut là pour retrouver liberté naïe d'ici là. Ok, merci beaucoup. Mais Maître Dolly Monza, c'est comme si il y a une main noire derrière l'arrestation, hein, parce qu'il y a toujours un combo, il y a Kabouya, Namunoko, il y a une planifié par Maramounou Sorana. Bon, en fait, au moni, tous nous avons suivi comment est-ce que notre frère a déclaré Netando Ike, soit disant que. Les alliés par manœuvre dilatoire, il y a secrétaire général Kabouya. Bon, ça n'engage que lui, ce sont des propos tenus par lui. Pour le bal, et c'est exact complot, une main noire. En tout cas, moi, je ne vois pas la main noire telle qu'il y a Zahir Kolobawana. Parce que tous nous avons suivi à la télé, quand le ministre Nabisso côté défense, côté intérieur, à l'Obiango, il a passé un message avant même que Nekouana allait arrêter. Donc, quand le ministre avait dit, donc, au Bolobaka, toute affaire se centre. Bon, ceux qui. Ministre à l'oubli, c'est vrai que vous avez ministre à l'oubli, il y a eu des présidents, la charité, bien on commence par soi-même. Il y a eu des camarades, Moussoussou, secteurs, et puis même propos, discours, et commis un peu modéré. Pour ceux qui y est à outrepasser, il est allé au-delà à ce que le ministre avait dit. Donc, à ma connaissance, c'est dit que le secrétaire général Kabouya, il n'est même pas de la police, et il n'est même pas un agent de commis dans la sécurité en Boka pour qu'il a demandé. Non. Les gens, c'est ça qui fait même la beauté du droit. Ceux qui ont le baquet, le CG Kabouya est derrière tout ça. Mais maintenant, quand il se rend devant le magistrat et il est devant le juge, CG Kabouya n'aime pas qu'il s'y non. L'état de droit, les alliés, c'est quelque chose où il faut te comprendre. Quand tu commets un forfait, quand tu commets une bavure, impérativement, il faut répondre à l'aéro. C'est un peu ça. Mais tous nous avons suivi ma propos naïe ou à l'obaki. Oh, nous avons continué pour le besoin pour engager Kakaye Mobo. Donc, ceux qui sont allés au Congo, pas juste pour démontrer, c'est ça bon. Et ceux qui sont allés au Kabouya, ils ont été publiés, mais il y a eu d'autres personnes, d'autres journalistes, qui ont invité Moussous. C'est la diffamation si la personne, il y a un congé à Yamboka, Fati Beton, qui a été invité, mais il y a un peu de à s'attaquer à la Rwandais, et qui a été invité à midi pourquoi il y a un peu de couloir à la Rwandais. Non. Dire que les Rwandais envahissent le Congo, les alliés m'ont bêté. Mais maintenant, passer par la xénophobie, les Rwandais m'ont bêté. Tout à fait. Parce que tout ce que l'on dit même, le président Bosso, il en a dit, il en a le bien que non, le Rwandais est en train de. Le Rwanda est en train de financer le M23. Là, au moins, ça se comprend. Et puis, ça porte aucune. Pensée xénophobie. Mais le mal, ceux qui sont abonnés au Koloba, pas Rwandais, pas Rwandais, pas Rwandais, Rwandais, directement, on a tombé dans la carte d'infraction en xénophobie. Okay. Donc il faut que les gens fassent quand même la nuance sur Nanuana. Parler de ces pays, c'est pas mauvais. Qu'on s'exprimer pour le pays ou soutenir l'armée congolaise, ils appellent ma bête. Mais il faut savoir. Atténuer ma propos parce que quand vous parlez comme ça à la télé, il y a des gens qui vous suivent. Même à Minde, on est belé par Rolanda. Les gens peuvent se servir dans la vidéo, parce que l'Aksango, voilà, au moins, il y a la cour de celui, c'est un Congolais, mais il y a la cour de celui-ci. Et donc, c'est la connotation à ma belle. Le ministre, à part le fait qu'il a crié sur la xénophobie, à l'obipé, le fait que Roulat a tenu militaire, c'est eux qui ont moi confusion. Nous devons, dans mon stade où est autocomi, nous devons être trop prudents. Trop prudents. Parce qu'il y a des choses qui se font diplomatiquement, comme on dit, d'abord,
La meilleure des guerres à faire, c'est la guerre diplomatique. Il faut réussir d'abord par asphyxier Mungunda non diplomatiquement. Si vous avez entamé na Mungunda. C'est ça le travail que le président était de faire. Et au commun, il y a la mutualité, la mutualisation des forces, forcément honnête, parce que le Kaba met en place pour créer mais qu'un peu ce n'est pas qu'ils ont pour remplacer la phare de Sénégal sans ça, mais ils ont pour accompagner le travail au phare de ça pour ça. Tu vois, Béba mérite, il y a diplomatie au salam. Donc, nous devons quand même être prudents et puis faire confiance à ma conduite à Moka, à ma Kamou, nous trouvons au salam. Parce que tous ceux qui sont en train de faire, ils apprennent à honneur dans ma mode. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils apprennent à honneur, mais c'est pour l'honneur de la patrie. Donc, ils apprennent à honneur et à bout sur la Congolais. Parce que Batoba Bokoufakouna, ce sont des Congolais. C'est ça un peu des marabouts pour Salama. Donc, dire que Ezakou Mokomboni, tu as parlé des gens qui ont sans la diffamation. J'ai toujours dit notre président Félix Tshisekedi d'Antoine, hasard, dictateur, il ne le sera jamais. Tout celui qui pose pour diffamer à la personne du président de la République, en tout cas, la diffamation, c'est une infraction. C'est une infraction. Ce qui est diffamation, il s'avérait que non, effectivement, il y a diffamation. Il sera interpellé. Mais le président Félix Tshisekedi d'Antoine, il a toujours dit qu'il n'est pas saint. Aux hommes, il n'est pas saint. Les gens peuvent le critiquer. Critiquer dans les bons, là. Mais quand tu critiques, au lieu qu'il n'est plus loin à les diffamer, avant de tomber une infraction à diffamation. Faire des analyses, critiquer, oui, mais il faut le faire aussi avec respect, il faut le faire aussi avec manière. Donc, nous ne devrions pas mettre à la tête Yabatou et que le président Félix Tshisekedi d'Antoine est en train de faire la chasse Nabatou, non surtout Bakoulobabé pour Naïté. Il n'est pas comme ça. Si vous regardez à la télé, il y a des gens qui font des analyses peut-être péjoratives à l'égard du président de la République. Bon. Ça, les analyses. Mais on se nous sommes appelés tout à la rapée, tout à la ramarque. Nous ne sommes pas appelés à Yokomon, à Kenon, voilà, et Yokomon, nous sommes appelés à Yokomon. C'est son avis, c'est son opinion, il est libre de le soutenir. Yokomon, Bakenon, voilà, sans ça, sans des arabes, mais sans des arabes bleus. Chacun. Il y a Moutou, Aza, n'a opinion, il y a copé ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire accepter Nabatou, Makamouna, Ndenge, Stokomouna. Là, c'est la dictature. Okay, merci beaucoup, Maître Douli. Quand même, parfois, il y a arrestation. Est-ce qu'il y a une procédure nouveautée? Camille, c'est comme s'il a été humilié, Maître Douli, Monza. Bon, l'humiliation, c'est dans le sens qu'on ne pouvait pas le filmer. Ok. On ne pouvait pas le filmer. Ouais. Non, non, non. Ça... On ne pouvait pas le filmer. À Boma, en tout cas, là, en tout cas, ils ont. Ça n'a pas été bien fait. Quelqu'un qui est arrêté, c'est une arrestation, une interpellation. Qui cette interpellation-là? Bon, c'est vrai, bah, arrêté. Mais bah, l'élément, là, bah, il n'est pas basé. Basé, bah, ils ont un bon mot. Mais déjà, le fait que vous filmez, vous publiez, voilà, ça devient déjà très compliqué. Arrêter, c'est bien bon. Et pourquoi filmer? Tu as vu le problème où c'est vrai, on l'avait interpellé. Mais le fait que vous l'avez filmé, ça a pris des connotations diverses. Il a été interpellé. Il n'a pas été condamné. La condamnation, c'est autre chose. Il a été interpellé. Vous interpellez les gens. Il n'est pas en esoukoulounaté. Ce qu'il faut faire, vous déférez devant le cours des tribunaux. Vous déférez devant le parquet, parce que vous ne voyez pas, et ainsi de suite, ce qui est dans ma cas, jusqu'à ce cas-là, Bassan Bissaye, ce qui m'a condamné, c'est comme ça, mais pourquoi vous filmez? Et Maître Denis Mandé Webé, parce que c'est dérangé que tout le monde a série à Kabila, PPRD, il y a toujours dans ma proche, il faut défendre Kabila, il faut protéger. C'est comme si les Panabino, il y a des gens qui ont été défendre, ils ont été défendre, ils ont été défendre, ils ont été trop pour que les gens qui ont été place à Zalé, ils ont été défendre, pouvoir, parce que c'est senti qu'ils ont été protégés. Pour défendre, ils ont été défendre,
et le but est qu'il faut qu'on l'aide à s'abosser, on n'est pas mon konzamboka. Non. Toi, tu peux me parler du PPRD. Est-ce que la gestion, il y a PPRD, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gestion malade. Non. Nous, là, dans tu sais, il faudrait quand même que l'on puisse comprendre le roman. L'UDPS est prônant à l'état de droit. Et la meilleure application de l'état de droit, ils ont l'UDPS. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on soumettre Batalibanda état de droit. Ceux qui ont l'état de droit, vous ne respectez pas. Vous savez, en principe, vous devez faire tant que les gens ont continué à aller qui a lobby. Ce qu'il faut faire, il faut plier. S'il y a des revendications à faire, faites-les en interne. Ceux qui disent qu'on désobéit, mon continent, ne pas s'arrêter. Ma casse n'a pas de bonheur. Il y a un peu de bonheur. Il y a un peu de bonheur. Il y a un peu de bonheur. Vous avez dit, c'est comme ça que donc, ceux qui me comptent à l'objet, s'il y a de réclamations à faire, il faut le faire en interne. Mon conseil peut revenir la décision dans ce lobby. Mais ceux qui me comptent à l'objet, et toi, tu as. Toi, donc, il y a un bafoué en gros. Mais ce mot-là, il n'y a pas de bonheur. Donc, c'est un peu ça. Défendre le président de la République, c'est bien pour le président, mais qu'on le défende, mais dans le bon. Et par tes autres qui n'ont pas beaucoup fait, bon, au début, il y a eu que l'UDP, c'est un patrimoine pour le Congo. C'est comme si l'UDP, c'est eux qui inversent des clés. Il y a un mot entre Binobozo et Kanate, les loups ne se mangent pas entre eux, Bango na Bango, Bango Kanezate. Bon, c'est pourquoi j'ai dit l'UDP, c'est un patrimoine aux eaux mérités, pas de spectacle et à mauvais goût autour comme on a dit. Tel a sali boué de départ et qu'on sort, c'est vrai, ça fait trop mal et fragilise à la paix. Bah, qui n'a qu'à t'appartir? La volonté pour tout Congolais que l'IDPS et là, tu as le souma pour la moue d'IDPS tout bas qui lobby. Vous allez que ce DPS a lobby à Villemonte et Kangui, non seulement à Kinshasa, va lobby et Villemonte, mais lui Pénaba partout en Afrique et dans la Congo. C'est ça un peu l'idée, parce que l'autre moment, on va partir Bélé, ils ont vraiment pour ça, là-bas, mouvement, mais l'UDPS, apparemment, nous pouvons dire, et ils ont là, comment un Nicolas nous sort. Mais espérons, avec l'espoir, et Bandeko, on va partir, pour redonner encore la partie image nango d'attendre autre loka autre zelaka autre tolinara ezala manger le taureau et allez vraiment un sac à verre. Donc 2023 ça va très compliqué. Donc les élections se préparent, même les candidats pour les élections, il faut préparer bango le lot. Quand vous commencez déjà à prendre le temps et voyez qui a fait cela, qui ainsi de suite, Moutou Bomoni, que non, voilà, c'est un candidat potentiel pour Ibandeni, qu'on approcher, qu'on préparer à être un bon candidat, et ainsi de suite, au côté, c'est vraiment l'idéologie à partir. C'est à ce stade ici, parce que tout ça, dans le mois de juin, bien j'y ai bientôt, donc tout ça, déjà, dans 4 années, 2023, et vous allez m'en avoir aussi. Donc, vous ne pouvez pas, je vois mal pour préparer Moutou pour qu'il y ait la candidat en 2023. Bon, on a évité ce qui est ma base, à revendre sur ma base, n'engénini, à retravailler, n'engénini, et ainsi de suite, comme ça, si réellement l'UDP se tient, il y a Rosanaba député. Merci beaucoup, Maître Denis Monza. Question mon pesa, alors, selon les députés, Deli, c'est Sanga. Donc là, c'est selon page journal Néo Télévision Africa. Il y a lobby qui demande à Félix Tshisekedi de clarifier les Congolais sur les engagements pris à Nairobi pour les députés Luisa. De Luisa plutôt. Bon, de mon avis, c'est Sanga. Je le lis beaucoup dans l'intervention de la Salaka, bon, deux fois, mais m'a rappelé ma réflexion et ma humilité et ma prise de position et consort. Le président Félix Rédemptoine n'est pas allé là-bas seul. Il a été accompagné par d'autres ministres, le tutelle ou la ministre des Affaires étrangères, accompagné le président et d'autres ministres. Ils ont sommé. Ils ont sommé où on a sujet du jour, ils ont acquis de ça extérieur de ça. Oh, ma débat qui est là. Basololi, 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 basololi.
tous nous avons écouté ma recommandation na kati ya sommet wana bakendaki ya munene ke balobi il faut baloka ba sala mitude nani ba sala sa force nous surtout pour na ba déployer bon na est comme bien que la RDC position des alliés ma force nous sommes sans ça mais le Rwanda ne fera pas partie parce que cette position de la RDC demeure jusqu'à ce jour. On a même communication à ministre il y a communication, il en a parlé aussi, il a fait mention à cela. Donc il y a mouné les mésangouan. Mais quand il demande un président, oui, le président, il est le président de tous les Congolais, mais il faudrait quand même que les gens ont tendance à co-fustiger la fonction à président. Rien que dans le Congo, tout le monde a n'importe qui pouvait dire n'importe quoi au président de la République. C'est le chef de tous les Congolais. Olingo Lingate, à la chef Nayo. Il faut quand même un minimum y a respect quand tu perds. Tu ne peux pas dire que non, le président doit expliquer aux Congolais ce qui est vrai. Le président va parler, va s'exprimer aux Congolais. À mon entendement, vous allez le 30 juin, où le président parlera aux Congolais. Parce que depuis, à Makambo, non, surtout tout ça, les agressions et consorts, le président n'a jamais parlé. Il sait quand et comment il va s'exprimer aux Congolais. Mais cela ne soit pas. Moi, dictamorogoye, yo, ou vende pas na yo. Il y a un souba là, la Rachibon, on a parlé, mais le président ne dort pas. Aoudji Koyamba, roi, Koyamba a mis roi, quelques temps après le Congo est agressé. Papa, tout ça, il ne dormait pas, parce que c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui est le commandant suprême de l'armée. Alors là, pour qu'il ne serait pas naïe, Mungunu Koti. Et il n'a même pas tout ça là, à voyager les sous-sous. Vous sentez qu'il n'a pas les repos. Et il le fait. Et puis les gens oublient. Il est le président pour le Congo, mais c'est aussi un père de famille. Bani Pana Posa, Bayokaye, Basolola. Madame Naye Pé, la première dame. Maman a vu sur Denis Nakero. Apana Posa Mobali Naye. Mais Ngaï, dans son rachinga, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme. Mais le président ne dort pas. Le président ne bénéficie pas de la libertinage. Il est là, 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 ministre de défense, ministre Nani Boy, chef d'état-major, tout ça, hormis le fait qu'il va être là, il est là, il est là, je n'exclus pas le fait qu'il faut le babongo, mais il y a qui bon monte, il faut qu'il monte ça. Merci beaucoup, Maître Douli Mwanza. Malgré l'appel à un cessez-le-feu et la cessation immédiate des guerres, na état na est kuna Maître Douli Mwanza, après avoir que Mokozambo Kazaï kuna, mais il paraîtrait que groupe y a M23 bah s'emparer sur na bah village Moussous kuna côté y a Rutshuru. Bon, en fait, c'est ce que nous disons, nous sommes dans une guerre. Et cette guerre-là, c'est la guerre Mokoboye, qui a été créée par aujourd'hui à l'avènement du président Félix Antoine. Ça a été déjà préparé bien avant. Nous savons comment est-ce que le M23 naissance na ezalaki ndenge nini. Il y a des gens qui ont créé le M23 et Bapesi Yango, Beki et consort, le peuple congolais, hasard pour en partir. Mais le président Félix Antoine nous avait dit. Son objectif final, ils allaient que paix et côte à côte dans l'Est. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais les gens ne doivent pas aussi minimiser l'effort et faire des arbres ça là. Tout le monde a guerre de ça, on a écrit un nom comme on a écrit un voilà. Nani qui a écrit un nom. Moi, terre, moi, boye, baris, ben, comme tous les bangs consorts. Ce qui est encore étonnant, c'est le fait que, quand on a belle ou pas, on a eu le président Félix, qui est dans ton assiné, ma corne à Nairobi, tu as eu la pose à la bango, tu as eu la pose à la bango, ma salata, n'est que reste un petit discours, ou tu as eu une petite publication, na ras-le-bol, ou tu as eu la pose à la bango, mais tu as eu la pose à la bango. Silence radio.
Silence radio. Bande quoi de belé qui se dit opposant. Personne d'entre eux va condamner à temps cette agression. Mais ils sont le premier à dire Tolingi va force tanayate, osiate. Vous sentez que l'animosité règne en eux. Vous sentez que qui nous témamabe et ça n'a qu'à ce n'a. Nous avons vu Congolais, nous, tu sais, aujourd'hui, ils craignent et ça envahi par la Russie. Na Ukraine de l'opposition, c'est hein? Toi, tu penses que na Ukraine va représenter tous les Ukrainiens, bah, ça les bloque derrière leur chef d'État, derrière leur nation. Pourquoi pas du soir Congolais de Salaou? Qu'est-ce qui manque dans l'histoire congolaise? Nous voilà. Ah! Mouka vous m'a boité. Bon, maï. En tout cas, je suis athée. Tu as eu l'habitude de l'histoire après. Tu as pensé de l'histoire. Non! Non! Et il y a même. Tout le monde a dit à Zolo Bagano. Guerre aux Salamouza, guerre à Félix Seguin. Pour ceux qui ont gagné la guerre, ils ont gagné Félix Seguin de gagner la guerre. Regarde comment les gens réfléchissent. Donc ils mettent à côté les intérêts de la nation. Est-ce que vous avez l'élection de la en 2023? Pour que vous aujourd'hui, sur le premier politicien, dans Congo, vous avez l'élection. L'élection est venue. Toi, quitte là où tu es, tu es là. C'est ça la réflexion pour nous, les Congolais. C'est pourquoi nous avons toujours, nous avons un problème dans ce pays d'avoir des hommes d'État. Nous avons que des hommes politiques qui ne visent que l'intérêt dans le hommes d'État dans le Congo. Les gens, on est battu à la guerre, le pays est agressé. Oh, ben l'élection, loi électorale, notamment l'élection, ça m'a 2023. Oh! Monsieur, vous voulez parler des élections alors que le pays est agressé? Nous sommes pour l'année, à l'été, il y a des à la présidente. Donc, comme si ceux qui vont le mouli, Félix, c'est que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un. Alors, arrestation à député, à quand arrestation à Banoyo, Bazali, pour soutenir Bazali Pessima, il y a guerre, il y a SO, que le président et l'Assemblée nationale ont dénoncé Kibango. Bon, nous avons tous suivi la dénonciation du président national et du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, à Kosenga, aux deuxième fois, à Kosenga, à député, nous surtout, Bazali derrière le groupe armé, à quitter le groupe armé. Et j'espère que c'est là qui. Alerte à Souka ou Bapesa Kibangouana. Je vous dis et je vous confirme que les arrestations et que vous allez opérer bientôt là. Il y a déjà un de députés au nom de Ntsingi Poulou, la Silika qui, la Silika qui n'a qu'à être ensemble. Donc, à mon député, il y a une carrière minière à Bango. Mais comment vous pouvez. Hein, accepter que Babilo connaît ça la mabat pande pour la mabat pour la mabat. Donc, nous attendons. Je sais que c'est pour bientôt. Vous savez, les gens doivent comprendre que le secret d'État, l'application, aussitôt que le président Bossalobi, des mots commencent à arrêter. Non. Pour arrêter quelqu'un, il faut être minutieusement. Convaincu que Moutou n'a pas été mis en place pour que tout soit en place. Il faut étudier. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêteurs qui sont allés. Au laboratoire, au moment où il y a des enquêtes, il y a des procès 100 jours. Il y a eu des enquêtes, des salamis, voilà, on dépose. Ce sont les mêmes enquêtes au Pénal et IGF à Salaka. Donc, il y a, c'est vrai, les informations dans notre possession. Les tireurs de ficelles, la guerre à l'Est, nous sommes avec les tireurs de ficelles, la guerre.
Mais tous nous le disons que les tirs de fait sont. Mais il faut maintenant prouver. Parce que la justice peut arrêter que nous dans basse position. Il semblerait, il voulait s'exécuter. Il faut amener les éléments, il faut amener le preuve palpable qui atteste que tel Azali, si nous sommes au salaire, le monde est commis par l'arrestation moro habitaire. Donc il faudrait quand même que minir nani le mawana enfin qui va procéder à la route. Mais c'est pour bientôt. Ok, alors réaction non, par rapport à la déclaration, il y a Paul Kagame, à ce moment la déclaration est belle, lors il y a point de presse naïe, contre le président Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis que le président René Paul Kagame acquise le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi d'avoir choisi la guerre. Ce n'est pas que nous n'ayons pas abordé les bonnes questions, mais quand il s'agit de mise en œuvre, et pour certaines raisons que je ne comprends pas, le président Tshisekedi a choisi une direction complètement différente. Non, mais le président Félix Tshisekedi ne fait que protéger sa patrie. Adage Moulobra, qui veut la paix pour pas la guerre. Toutes les États du monde, ou tous les États du monde, pour nous préparer peine avant nous, il doit vous préparer la guerre. La guerre, on le prépare chaque jour. Donc, tu sais, les gens pensaient que le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas se rendre compte dans le labo y a un ennemi à Congo. Il était là en train d'observer, il a pris le temps de observer tel fait quoi, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils sont surpris. Babissou a bien été placé, Babissou a bien été marionnette, mais je ne vois pas un dictateur. Babissou a bien été éliminé à Pamba. Il y aura celui sur l'éliminé à Pamba le Gomara. Il y aura celui sur la placebo. Il y a marionnette. Et ça, c'est qu'il y a un gars qui dirige. C'est qu'il y a un gars qui dirige. Il y aura soit le baron Josu. Il y a un silence radio. Donc, c'est une personne qui a vendu sa diplomatie pour ton gouvernement. Le président Félix Antoine, au sein de l'UDPS, il fut comme un ministre des Affaires étrangères de la partie. Donc, il y a une diplomatie, Zahie. La diplomatie a vendu ça. Sauf que mon akeno, parce que nous sommes la déclaration, nous avons dit que parce qu'ils ont compris que le monsieur, il ne fera rien. On peut compliquer Bango sur le terrain. Le président Félix Tshisekedi Antoine, aucun État va empêcher na Congo à défendre terre naïe. Aucun État. Et surtout, et ça, les troupes m'ont reboué. La communauté nationale a déclaré comme étant terroriste. Et l'État ne négocie pas avec les terroristes. Les M23 sont des terroristes. Soutenus par l'armée rwandaise. Oui, donc l'État ne peut jamais négocier avec eux. Mais malgré que beaucoup de gens il y a un président, il y a un bombardé. C'est ce que nous disons, les terroristes. Ils continuent toujours à faire. Si ils ont déposé leurs armes, ils ont à la place de Baouti. Si ils ont déposé, dans ce pays, nous avons une armée. Dans ce pays, nous avons un chef d'État. Dans ce pays, nous avons des dirigeants. Ils n'y vont que s'apprendre à eux-mêmes. Mais en attendant, on a dit que c'est pourquoi nous disons peut-être que les mardis, la fois passée, les mardis passés, 13 civils ont péri suite aux bombardements des terroristes. Moi personnellement, toujours territoire, il y a où, ce sont des terroristes. C'est ok, même la Nigeria. Il y a des touristes là-bas. Ok, dans le Mali, il y a des Chebabs, tout ça, ainsi de suite. Un peu plus en Afrique, sur Tali, il y a des terroristes qui vraiment proche de résistance. Terroristes, il y a Kavarané, vous êtes là, vous vendez, il ne vient pas à bombarder, ça, à bombarder. C'est ça le rôle d'un terroriste. Comme M23, ADEF. Ce sont des groupes armés où les revendications sont d'abord correctes.
Nombreux d'entre eux se disent congolais ou te disent congolais. Mais il paraîtrait que l'ambassadeur rwandais portait disparaissant sur la quinte des pierres. Il y a une fuite ou comment? Bon, en fait, à ma connaissance, tu as dit que le monsieur il a été interpellé par nos autorités. Bon, jusqu'à là, les informations au Basola qui n'ont pas. Ils ont fuité, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Bon, en tout cas, jusque-là, naïvement, on a reconnu la Nabambo et Karigazo Sala. Je sais que les autorités sont là en train de bien gérer la chose et nous faisons confiance à Nabambo, que le Congo va retrouver quand même. Valère Nango a perdu bien longtemps, donc la bande de Po va pour Kambadiso. Dire que le monsieur Abima qui est là, qui en tout cas je ne connais pas trop, tout le monde qui est dans la situation avec Andoïké, ils allaient dire que le monsieur il a été interpellé par nos dirigeants. Merci beaucoup, Maître Doyi Manza. C'est la fin de notre émission. Le Lobani Nyoko, le Bayasu, la bande de Kobalandi. Le Lobani Nyoko, le Bayasu, de Kobalandi. Le Lobani conseil, on peut savoir qu'on va continuer toujours pour faire sa confiance dans mon conduit et puis dans le Kambiambo Kanabiso. Le pays est en guerre, mettons-nous main dans la main, donc soutenons-nous. Nebalobaka ensemble, Togolonga, donc, ils allaient dans le moment moko. Bientôt là déjà de batterie parce qu'on ne parlera plus d'M23 à sous Félix Tshisekedi Tshiamba Kabwa, nous c'était aussi là continuons toujours à faire confiance à notre armée et puis la bande de Kono surtout Mbote na Yomoko, Mbote la bande de Kono surtout Oba Kolanda Biso donc Congo rende de primé. Merci beaucoup, Maître Doli Monza. Contact y a Maître Doli Monza. Yé, en gros, on a assez beaucoup de temps en contact. Bonzambé, na bonzambé, lola, ezofuta. Si mon auto y a pour le baguette, n'a pas beau tout. Voyez, soit c'est la fin de notre émission. On se retrouve à la prochaine. Bye.